Et bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de notre Let's Play Station Heroes saison 5 sur Vulcain. Et aujourd'hui, on va s'occuper de l'usine Atmo. Allez, en route. Voilà. Mettez-vous dans le bon sens tout de suite. Voilà. Ok. Ça va être une première bouteille d'eau terminée. On reste 4. Il va falloir produire de l'eau assez rapidement quand même. J'ai un peu de glace pour commencer, mais il va falloir rapidement faire le reste de la production d'eau. Donc, hop, ne tombe pas dans le vide. Si je réfléchis un petit peu. Cette usine de production. Pardon. Cette usine de production. Cette usine de atmosphérique. Là, ça va. C'est un peu plus. Oui, ça va mieux. Déjà... Il va avoir un niveau comme celui-là pour le traitement des gaz, avec de quoi stocker les combien de types de gaz il me faut, oxygène, azote, oxygène. Oxygène, azote, CO2. Ça en fait 3. Hydrogène. Est-ce que j'ai besoin de stocker l'hydrogène ici alors que l'atmosphère en est bourrée? Peut-être pour avoir de l'hydrogène à température mélangeable. Ça fait 4. Et puis de l'eau, ça fait 5. Donc j'aurai besoin de 5 tanks. Donc 5 x 2, ça fait 10. Ou soit je les fais en longueur, soit j'en fais un carré comme j'avais fait sur sur Vénus. Donc je ferai un carré de 1, 2, plus 3, 5, 6, 7 par 6. Plus la place de circuler avant. Mais globalement, 7 par 6. Par 6, stockage en sous-sol, peut-être les clims sur le toit en extérieur.
Avec la production de froid, de chaud. Ah oui, du coup, j'ai besoin aussi de mes tanks pour le très chaud et le très froid. Et pour ma clim. Donc j'avais dit 5 types de gaz pour le traitement atmosphérique. Eau y compris. Plus un sixième pour le gaz de la clim, donc le moins 200. Qui peut bouger en température. Et puis 7 et 8 pour le très chaud et le très froid qu'on essaye d'avoir stable en température. Donc ça fait plutôt 7 par 8 pour le stockage, plus un peu de place devant. J'ai 3 de place devant, histoire de se garder 2 de place devant. Si je rentre, ouais, j'ai besoin que de 2 pour que ça ait l'air aéré. Donc 7 par 10, ça fait dans les 70 steel frame. Ouais. Et tu auras une entrée qui en plus sera 3 étages en dessous. Donc potentiellement, je pourrais vouloir te mettre ton entrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 7, je voudrais pouvoir rajouter 6 par rapport à ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans quel sens on en met 10? J'irai dans ce sens-là. 8, 9, 10. Sachant que du coup, j'ai pas pensé là-dedans aux unités de filtration. Donc, on va faire 9 par 10 en fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ok. Et on supporte ou on supporte pas? Oh, je rajoute 9 par 11 du coup. J'ai compté que 2 de plus à l'entrée, mais c'est 2. Puis il y a l'espace du... Ça, c'est puis si j'ai des supports à l'arrière... Donc non, même 2 que je rajoute. Ça va faire une belle usine. Bien. Yeah. Mais oui, c'est bon, t'as pas besoin de manger. Ok. Bon, avec tout ça, il me reste 3 frames. Et il m'a déjà un premier stack de fini. Essayer d'aller trop vite, je perds du temps. Ok.
oxygen low. Mais ça va. Oxygen low, si c'était important. Pfiou. Ok. On en a bouffé un paquet. J'ai besoin de mes kits stairs. Donc j'ai fait 9. Je sais plus. Fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ok. Et merci pour le follow, Quentin. Ça, c'est bon. Derrière. Non, pas toi. Ok. Donc ça, c'est le cheminement vers notre usine atmosphérique où j'ai oublié, a priori, deux frames au milieu. C'est fâcheux. Toi, tu veux systématiquement te mettre au mauvais endroit. C'est fâcheux aussi. Bon. Quel est l'urgent? Traiter d'abord l'urgent. J'avais dit là où il y a des sas, je matérialise en finissant tout de suite. Voilà. Je pourrais aussi matérialiser en mettant des frames autour. Puisqu'ici, globalement, on aura le petit kit atmo habituel dans un coin. Par exemple, par ici. Que derrière on va voir si je recompte depuis la barre 1 2 3 4 donc là il me reste 3 par 3 ici pour mettre un truc, 3 par 3 ici pour mettre un autre. Cette fois, il faut vraiment manger, monsieur. Il est où le miam miam? J'ai plus à manger sur moi. Ok. Manger. Manger et boire. Ah, la bonne canette de frites. Ouh, elle est descendue vite.
Alors... Là-dedans, j'avais des chutes. C'est pas ce qui m'intéresse. Là-dedans, j'avais les tuyaux. Ah bah d'ailleurs, ça aussi, j'ai réglé le problème. Hop. Tuyaux isolés, comme les tuyaux normaux. Ploum, ploum, ploum. Toi, potentiellement. Toi, bientôt. En fait, toi, je vais te monter, déjà. Je vais te monter. Les stairs, il faut que je les range. Ça, c'était la peinture. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait, déjà? Ah oui, c'était là. Les tanks. C'est le marron. Et celui-là, c'était les filtres. Donc tout ça, ça peut aller dans l'usine Atmo. Je me suis dit ça aussi. Et celui-là, c'était quoi? On a dit. Tout celui-là, d'ailleurs. Ouais, celui-là aussi. Ah ben, merci Quentin, j'espère que ça te plaît. Donc plus Space Engineer en ce moment. La Space Engineer, normalement, si XK est en forme, ça sera samedi soir. Toi ici, voilà. Toi on a dit c'était tous les kits atmosphériques. Toi, tous les filtres, t'as juste à côté. Et toi, je voulais te laisser là-haut et je t'ai oublié. Tiens, hop. Ici, il y aura un sas. Et là-haut. Il y aura également un sas. Et re-exca. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en priorité? Traiter ça et de l'eau. Donc traiter ça, je pensais me le faire sur une de ces diagonales là. Potentiellement, on va vitrer plus de ce côté-là. Pour voir un petit peu, pour voir deux trois choses, on va vitrer peut-être ici aussi. Là, on peut vitrer le coin là, le fond, je sais pas trop. Est-ce que j'avais pris des, j'ai tout emmené là-bas. Water tank. Kit tank insulated. Liquid tank insulated, très bien. C'est atmosphérique, c'est le pipe analyzer. Ok. Donc. Donc, je dis pas de bêtises. Si je mettais là, puis là, puis là, puis là, ah, ça trop, donc c'est bien là, ça j'attaque pas le fond, j'ai bien des frames au fond. Je vais te mettre ici. Hein. Pour l'instant, je vois pas de meilleur endroit. Il va falloir que je tire l'électricité. Ça commence.
commencé à devenir le bazar, là, l'électricité. Ça va commencer à être le bazar, l'électricité. Quentin, alors je vais te donner la même réponse que je donne à toutes les personnes qui demandent ça. Aujourd'hui, non. C'est pas possible. Dans le futur, bah, sache que tous ceux avec qui je joue en coop, c'est des membres de la communauté qui ont été présents de longue date, qui ont été présents sur le Discord, qui ont beaucoup aidé les autres, avec qui le feeling passait bien. Et voilà. Donc... c'est clairement pas impossible, mais comme ça on se connaît pas encore, la réponse pour l'instant est non. Après, voilà, est-ce que en soi c'est possible? Oui, si on veut. Quand c'est pas impossible, quoi, du coup, pour être plus clair. Toi, j'aurais dû prendre une time pour voir où j'étais. Et... Oh. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !